Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 149, une News Gamer au sortir d'une semaine un peu morose. Eh oui, pas grand news cette semaine, ça bouge pas beaucoup du côté du monde du jeu vidéo, ni du cinéma d'ailleurs. Enfin voilà, ça reprend doucement, c'est la rentrée, en tout cas on a News Gamer, c'est tout de suite. Dans cette News Gamer, vous retrouverez des vidéos pour La Terre du Milieu, L'Ombre du Mordeur, Assassin's Creed Unity, ou encore Sunset Overdrive. Vous retrouverez aussi des informations sur Lego Batman, Resident Evil Révélation 2, et Simbin. Nous vous passerons au crible le jeu Hyrule Warrior, qui mélange les univers de Dynasty Warrior et de Zelda. Nous passerons aussi au crible Sin City, j'ai tout pour elle, le retour du comics sur grand écran. Nous nous quitterons avec le Brésil. Cette semaine, on a eu le droit à une vidéo assez humoristique de la part d'Electronic Arts. Eh oui, dans un jeu qui s'appelle Madden NFL 15, il y a un bug qui rend un joueur précisément tout petit. Eh bien, ce joueur se retrouve dans une vidéo humoristique qui présente le bug. Et le bug est très drôle. À voir tout de suite. Et sinon, dans le sujet, une vidéo pour Sunset Overdrive. Le jeu de course qui pourrait bien révolutionner le marché, c'est Project Cars. Le projet indépendant nous offre cette semaine un making-of sur le travail de l'équipe pour reproduire le plus fidèlement un circuit et les conditions de pilotage. Le maître mot, c'est réalisme. Project Cars devrait être disponible à partir du 21 novembre 2014 et pourrait bien ravir de nombreux fans de jeux de course. Today we announce the driver network. It breaks down into a number of different things. First, you've got your profile. La Terre du Milieu, L'Ombre du Mordeur vous intéresse? Warner Bros. Pense à vous et sort une vidéo qui devrait vous plaire puisqu'il s'agit d'un making-of qui parle de la création des animations avec Troy Baker et Nolan North. Encore une fois, voir des personnes avec des boules et des casques sur la tête, c'est toujours drôle. Capture Studio. It's a completely different experience for the gamer and for the actor. And for the actor, you know, and then for him to be able to come in here and do this great job with the lead. La coopération, c'est important pour Ubisoft. En tout cas, c'est le message du dernier trailer concernant Assassin's Creed Unity. Il y est question d'une mission d'infiltration à réaliser avec des amis. Voilà qui pourrait donner encore plus de profondeur à cet Assassin's Creed Unity qui arrivera le 13 novembre sur les consoles nouvelle génération. You have to stealthily infiltrate a heavily guarded location, get to the treasure and steal it without ever being seen. Parfois, il y a des règles qu'il faut respecter, mais dans Sunset Overdrive, il n'y en a pas. Tout péter, c'est le mot magique qui désigne le mieux cette exclusivité Xbox One. De plus, il sera possible de tout détruire en coop jusqu'à 7, rien que ça. Vous n'avez pas encore joué à GTA V et vous possédez les consoles nouvelle génération ? Eh bien Rockstar a pensé à vous cette semaine avec un trailer magnifique et très proche de l'esprit du jeu. Et mieux qu'un trailer, le studio écossais nous a donné les dates de sortie pour les nouveaux supports. GTA V sera donc disponible le 18 novembre 2014 sur PS4 et Xbox One et le 27 janvier 2015 sur PC. Drive Club, le jeu de course de chez Sony, refait parler lui en mal. Eh oui, puisque le jeu aura des DLC alors qu'il a un an de retard. Eh oui, les équipes de développement n'ont pas eu le temps de rajouter du contenu et doivent le mettre en téléchargement. Un comble. Et sinon, dans le sujet, on parle aussi de DLC avec Lego Batman. L'e-sport n'est pas un sport. Cette déclaration choc est l'œuvre de John Skipper, qui n'est autre que le patron de la chaîne sportive américaine ESPN. Par cette déclaration, on comprend que le monsieur ne souhaite pas diffuser de jeux vidéo sur sa chaîne. C'est tout de même étonnant quand on sait qu'ESPN a participé à la diffusion dernièrement d'un important tournoi d'e-sport sur Dota 2. Monsieur Skipper, il est temps de vous mettre à la page. Bruno's pretty convinced, but our newbie, Jeff Keighley, had a chance to sit down with the team. Let's see what they had to say. Thanks very much, James. I am down here in the players' lounge with Shout 8. Le Season Pass est une pratique qui permet de payer du contenu téléchargeable moins cher. C'est souvent utilisé pour les gros jeux multijoueurs, mais là, ça débarque sur Lego Batman 3. Et oui, le jeu aux petites briques aura des DLC. Un comble, surtout quand on sait le contenu que nous offrait la série avec le jeu de base. C'est vraiment dommage. Drôle d'annonce de Capcom cette semaine concernant Resident Evil Révélation 2.
L'éditeur nous explique que le jeu sortira sous la forme de 4 épisodes à 6€ de façon hebdomadaire. On se demande alors pourquoi ne pas sortir le jeu en une seule fois, ce serait bien plus pratique, mais cela pourrait être un essai de la part de Capcom pour augmenter la rentabilité. Le plus important, c'est quand même que le jeu sortira. Le studio Simbin, spécialiste dans les jeux de course, a fermé ses portes pour cessation de paiement. Une nouvelle très grave, surtout quand on sait qu'ils étaient en plein développement de mise à jour pour Race Room. Mais pas d'inquiétude, le studio a tout de suite rouvert ses portes sous le nom de Sector 3 pour sauver le maximum d'emplois. Bonne chance pour la suite. On termine à ne pas retenir avec un film français. Mais pas n'importe quel film, puisqu'il s'agit de l'adaptation du roman autobiographique du rappeur Abdelmalik. Nommé qu'Allah bénisse la France, le film envoie sévèrement du cliché et on a bien du mal à comprendre le message qu'il y a derrière. Enfin bon, si vous êtes fan du rappeur, vous passerez peut-être un bon moment. Nous sommes permis de proposer son dossier pour Hippocagne et il a été accepté. En fait, c'est quoi Hippocamp là? C'est Hippocagne. Ah, pour moi ça va rester Hippocamp. C'est Hippocamp, c'est Hippocamp. La semaine dernière était calme en sortie, la semaine prochaine sera déchaînée avec Pro Rugby Manager 2015, Disney Infinity 2.0 ou encore Flockers, et nous on va vous parler de Hyrule Warrior. Au cinéma vous pourrez aller voir Bon Rétablissement ou encore Un Homme Très Recherché, et nous on s'intéressera à Sin City, J'ai Tué Pour Elle. Hyrule Warriors, c'est le retour de l'univers de Zelda dans un jeu complètement foufou, et Sin City, J'ai Tué Pour Elle, c'est le retour du comics en noir et blanc avec le sang qui ressort au cinéma. Hyrule Warrior, c'est l'univers de Zelda en plus bourrin. Développé par les créateurs de Dynasty Warrior, Hyrule Warriors a pour but d'amuser le joueur. En effet, vous devrez combattre des hordes de plusieurs centaines d'ennemis avec vos pouvoirs et votre arme. Tout ça avec une grande facilité. Là où vous passerez, les ennemis trépasseront. Hyrule Warrior, c'est aussi et surtout l'univers des jeux Zelda. Et pour le coup, l'univers est respecté à la lettre, que ce soit dans les ambiances graphiques et sonores, ou même dans les personnages présents. Si vous êtes fan de la série, vous y trouverez votre compte. Avec la série The Legend of Zelda, nous étions habitués à avoir un jeu d'aventure très complet avec une histoire de folie, écrite par Shigeru Miyamoto lui-même. Et bien là, c'est très différent. Ne vous attendez pas à parcourir les contrées d'Hyrule sans votre cheval, vous êtes juste là pour défoncer des ennemis. Mais ne vous inquiétez pas, fan de Zelda, un vrai jeu d'aventure arrivera très prochainement. Hyrule Warrior est un jeu intéressant pour la Wii U, mais pas non plus transcendant, ce qui lui vaut la note de 4 sur 5. Le deuxième épisode de Sin City arrive au cinéma, et ça s'appelle Sin City, J'ai Tué Pour Elle. Le casting de Sin City, J'ai Tué Pour Elle est dingue. Déjà, les réalisateurs sont les mêmes que le premier Sin City, Frank Miller et Robert Rodriguez. Concernant les comédiens, on prend les acteurs effacés à Hollywood et on les réunit. Il y a par exemple Jessica Alba, la Française Eva Green, Mickey Rourke, Joseph Gordon-Levitt et plein d'autres. Du monde à voir sur grand écran. On était persuadés qu'on n'avait aucune chance face à l'homme le plus puissant de l'État. Là où Sin City se démarque, c'est sur son aspect très graphique. On a réellement l'impression de voir un comics américain transposé directement à l'écran, ce qui est très agréable. Dommage que ça ne serve pas à donner plus de puissance à la violence du film. Oh, tu n'as pas idée de ce que je peux faire de pire. Pour le synopsis, on retrouve la ville de Sin City, oubliée du cinéma depuis 2005. Mais avec la ville, il y a bien sûr les malfrats qui vont avec. Les personnages emblématiques sont de retour et la bataille entre différences sociales va de bon train. La guerre de rue va s'abattre une nouvelle fois et ça va faire mal. Sin City, J'ai Tué Pour Elle est très intéressant mais pas non plus parfait, ce qui lui vaut la note de 4 sur 5. Alors, qui a envie de jouer? Nous voici à la fin de cette 149e News Gamer, une vidéo que vous pouvez retrouver tout comme nous sur internet. Et oui, vous pouvez toujours nous retrouver sur le site total-gamer.com où vous pouvez venir poser vos questions, on y répondra avec grand plaisir.
Mais vous pouvez aussi venir discuter avec nous sur Twitter, Dailymotion, YouTube et Facebook. Et on se quitte avec ce qu'il fallait voir. Il fallait voir le Brésil, mais attention, pas comme on l'a vu à la Coupe du Monde, c'est un tout petit peu plus sombre, ça s'appelle Favelas. Favelas, c'est un nouveau film par le réalisateur de Billy Elliot. C'est très poignant, ça raconte la vie de trois enfants qui du jour au lendemain vont devoir sauver le monde, enfin presque. Un film très sympa. Ouais, c'est assez réaliste hein, quand même, et puis bon, ma foi, on n'avait rien de mieux à vous montrer. On espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Raconte-moi ton histoire. Je m'appelle Raphaël. J'ai 14 ans. Je travaille à la décharge. Si quelqu'un ouvre ce portefeuille, faut me le buter. C'est ça ce qu'il cherche. Je sais ce que cette clé ouvre. Partout où règne la corruption et l'injustice, il y a des dollars. On fait quoi? Pour retrouver l'argent. Des nouvelles des petits? Ils sont sans doute déjà morts. Démerde-toi pour faire raser cette décharge. Pourquoi est-ce que tu fais toutes ces choses? Parce que c'est juste. C'est bon, on suit notre plan. Ça va être la révolution. Quand je vois tout ça, pourquoi ils se sont entêtés? Parce que c'était juste.